Parti. Ah, c'est chiant ce truc. Non, je peux pas vous montrer. Bonjour à tous, Hervé Mathieu. Une fois tu m'as fait battre. Oui. Et c'est vrai que la Russie l'a remporté devant l'Angleterre, devant Espagne et Portugal ensemble, Belgique et Pays-Bas ensemble. Et c'est vrai que ça ne prendrait pas que la Russie décroche pour la première fois cette organisation. Alors je sais que vous l'attendiez, hein, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. Voici les titulaires. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2 disons plus classique. Le ballon qui est dégagé, ce sera un corner. On va suivre bien sûr Antoine Griezmann, un attaquant qui prend de plus en plus d'ampleur. Ouais, je sais. Un grand danger pour le gardien, ce corner. Ça va coûter cher. Et le ballon récupéré finalement par Raphaël Varane à Eppelba qui poursuit son action. Ah putain. Aucun problème pour le gardien. Putain. Oh, on a pas mal. Ah, j'ai vraiment une connerie là. Putain, bien joué. Mais c'est intercepté, le danger est écarté. Oh la vache. L'avantage au profit des Argentins. Ok. Ballon à les pieds de Matuidi. Ouais, il y a peut-être une situation intéressante là. Putain. C'est ça que je voulais faire. Shit. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Kylian Mbappé. Oh. Oui, idéalement servi. Putain. C'est bien défendu ça. Eddie Perez. Di Maria sur le côté. Il avait tenté la talonnade, mais ça ne passe pas. Oh putain, là tu peux tirer de loin et marquer. Regarde les gars. Ça va pas être facile de s'en sortir. Je me rappelle, j'ai déjà essayé de jouer avec papa. Attention à cette perte de balle au milieu. Reviens, Mascherano. Messi. Putain. Ouh, de peu à côté. C'est Messi qui tire. Oh. Putain. Bonne récupération au milieu de terrain. Ah non. Ah les gars. Reviens Mascherano. Merci. Sur la Di Maria. Oh putain. Oh j'aurais pu la mettre. Kanté. Putain, y'a personne là. Bande de bites. Ah les gars. Ballon intercepté par Pogba. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Est-ce qu'il y aura but? Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Oh bébé. On laisse le but quand même, c'est joli. Son ballon vient heurter le montant, mais enfin, ça relève rien à la qualité de sa frappe. Hein. Oh. Le but sous un autre angle. Ah là, c'est vraiment un coup de poing. Allez, ce sont les tout français qui mènent au score dans ce match. Ah, je vais gagner, ouais. Marcos Rojo. Ouais, bien joué la remise. Ah, les gars.
Ah, cette canonnade qui est interceptée. Putain, mais c'est quoi Griezmann? Mbappé. Non, il me passe directement à l'adversaire. Oh, le truc de fou que j'ai dit. Ah, regarde Mascherano. Les 30 derniers mètres. Ah oh, putain, dommage, je voulais faire la passe. Allez. Reviens, ma chère Anneau. Oh, là, il y a. Oh, ouais. Pas faute, quoi. Ouais. Di Maria sur le côté. Léo Messi. Reviens, ma chère Anneau. Oh là. Putain, j'ai que ça, les gars. On va pouvoir dégager. À chaque fois, je suis. Les images de ce but qui leur ont permis de prendre l'avantage. Je suis juste vers le haut, des fois. Oh. Ah, j'ai les poils qui courent. Oh. J'ai les cheveux qui mérissent. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Tu veux te reprendre un deuxième but? Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Alors, le seul écart. Paul Pogba. Oh putain! Pas de soucis pour le gardien. Oh putain! Yes-Ban, c'est une balle de but, ça. Oh la belle parade! La belle parade, il élimine le danger avec un incroyable arrière-réflexe. Ouais, l'adversaire était à bout portant. Non, 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 oh okay, putain! Putain, là, vraiment, putain. Ouais, il y a attaqué Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. Qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Une ténacité qui pire. Parce que Kim Dubia, c'est pas des occasions. Oh, c'est fait un effet. C'est au bout. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui les est proposé, ça va être intéressant. Mm-hmm. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Un redoublement de passe, bien joué. Elle disparaît. Elle passe qui trouve un petit adverse. Fais chier, putain. Il est bleu à l'attaque avec ce ballon. Centre à destination de ses partenaires. Pas de soucis pour le gardien. Putain, je crois que j'allais avoir. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Et le break mi-temps. Peut-être fait à la pause. Connard de mi-temps. Ah, tu peux changer de joueur. Lui, il a l'air d'être bien. Ah, t'as changé le joueur qui était joué. J'ai pris, j'ai changé Giroud. Ah bon? Pourquoi t'as changé grand-père? Parce que l'autre il est bien aussi. Fekir. Putain. Oh la vache. Ah, culos. Une Argentine qui se projette vers l'avant. Mais c'est qui prend sa chance. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. Carton jaune et surtout un coup franc. Merde, je vais voir pourquoi il y a une faute. Oh, je suis une merde. Ah, il a pris sa chance de loin. Ah non, manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr. Je sais pas qu'on pourrait faire les passes comme ça. Il est là pour récupérer ce ballon. Putain. Allez, attention, on se rapproche du but adverse. Mais là, putain, pourquoi j'ai pas perdu. Plié. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Oh là, il n'y a pas faute. Un timing défensif hein, sur ce tacle. Oh. Mais attention, il me semble qu'il est déjà averti. Et c'est une faute pour moi. Ouais. Ah, c'est carré. Et le gardien qui s'en part du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Thank you.
Oh putain. Merci. Allez, peut-être une bonne occasion. Non. Putain, j'ai même pas voulu faire ça. Le ballon. Il s'infiltre, attention. Tu n'arriveras jamais. Il sent que la vie s'est occupée. Putain. Il reste. Tristan Pawan. Tristan Pawan. Obi-Wan Kenobi. Kunabuero qui s'enfonce. Ah non, c'est pas bien fait ça. Putain. Il a beaucoup à jouer là, attention. Obi-Wan Kenobi. Putain. Wesh. Ah, il a bien senti le coup là, le défenseur. Antoine Griezmann. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Putain, il aurait été magnifique. Attention, ça peut faire but. Oh, le but. Le but signé Nabil Fekir. Et voilà. Chala. Hein, le Pepe Lobic. Les bleus, ils sont en train de prendre le large dans cette partie. Car qui commence à être plus c'est toi qui me l'as fait. Oh, tu t'es fait un petit pont. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Oh, deux petits ponts. C'est toi qui m'as fait la passe. Merci pour le but. 3-0, voilà, t'as perdu. Quoi ? Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Oh, je te donne un coup. Personne pour arrêter de lui. Et putain! Le ballon est perdu. Paul Pogba. Et l'attaque va s'arrêter là. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ouais, bien tapé, oh le petit pont. Qui n'est pas personne. Appuyez R2. Oh, il a du soutien. Ça peut être dangereux. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Putain, il me conne l'autre. Non, elle a cette passe. Oh, la passe débilement. Ah, il bascule sur l'aile. Putain. Il tire un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Très compactisé. Mais c'est pas lui que je voulais la faire. Tête de couille. C'est un qui récupère. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Et putain. Faute. Il y a rien. Adi Perez. Gabriel Mercado. Il gagne quelques mètres. Attention, attention à Léo Messi. Oh putain. Bien repoussé par la défense. Oh, non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Non. Putain, Michel! Un bon ballon d'attaque. Tu marqueras pas ce but. Jamais! La frappe! Ah, putain! On a bien exécuté cette volée. On a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça pouvait pas donner grand chose. Ah, ça change. Ah, facile la récupération. Mais putain! C'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Blaise Matuidi. Ma chère Ado. Non! Ce sera un. Mais quoi? Pour l'Argentine. J'y arrive pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait, fils de pute? Mais non, t'as... en fait, c'est changement de joueur. Mais ouais, pourquoi j'ai une faute? Putain! Vitamine D. Avantage au profit des Argentins. Et le ballon qui change de camp. L'équipe de France qui part à l'attaque. Putain, mais j'arrive pas ou quoi?
Oh, les magnifiques le but. Frère, j'y arrive pas, putain. Oh, il est trop beau. Voilà, un plus au compteur, ça permet de soigner les stats. C'est une manière de se mettre à l'abri de manière définitive. Elle a failli sortir. Ça regarde un nouvel ennemi pour apprécier ce but. Et en plus, il baisse enculé. Il y a vraiment de suspense. Un petit 4-0. Ah, ça fait du bien. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Et du PRS. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Bien blessé. Ouais, bien vu, Fekir qui récupère. Toujours du le face à face avec le gardien. Non. What, on entend le gars qui est en train de. Merci. Mais putain, pourquoi il se pousse? Point de Pogba. Il est pas ce qu'il trouve. Putain, suce ta mère. Adverse. Et les Argentins à l'attaque. Quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Et putain! La réalité après un peu reprendre ce ballon. Wesh! L'équipe de France qui va bénéficier d'un coup franc. Bah oui! Faute. Putain, ma grosse pute! Essayer de vite relancer son équipe. J'ai gagné. On est un peu déçu parce qu'on a assisté à un match. Fais une revanche, moi je change d'équipe.